Salut PierreTube, salut la VOD. Alors, on continue Graveyard Keeper. Cette fois, je suis à la suite directe de la dernière vidéo, dans le sens où j'ai pas fait de pause IRL, 5 minutes quoi, mais pas plus. J'ai oublié de poser les stylos et l'encre, c'est pas grave. Oui, tous les membres du corps, c'est ça qui me prend toute la place. Peau, par contre, c'est mieux de la garder vers le... Pardon. Vers le... Non, c'est pas... Si le bois de chauffe, il en faut un peu. Est-ce que je peux le mettre, celui-là, déjà? Voilà. Voilà, j'ai perdu ce que je disais. C'est pas grave. On peut pas passer par là. Si. On peut passer. Oh. Oh, qu'on peut dégager le passage. Je suis où exactement? Domicile. Oui, je passe au-dessus des vignes. En fait, je suis ici. Ça me permet de passer comme ça pour aller aux vignes plutôt que de descendre par le potager et remonter. Ça peut être bien. Être bien, mais ça nécessite des pièces de fer complexes. J'ai autre chose à en faire tout de suite. Je crois que j'avais jamais vu le passage, enfin jamais fait assez gaffe. Oui, de la gelée verte. Je sais pas si donc faut en faire une sorte de sirop. Je suis en train de gaspiller toute mon énergie au lieu de récolter le fer. Mais bon. Maintenant qu'on a dégommé les slims, il me laisse récolter le fer. C'est vrai que récolter le fer par 6, c'est pas mal ça. C'est plus que dans mes souvenirs. Ça peut être pas mal ça. Ouais, ça sert pas à grand chose quand ça passe bien. Mais non, mais j'avais déjà assez de bois. Qu'est-ce que je fais? C'est le fer que j'avais besoin, j'en ai ramené. Poser les bâtons. La gelée verte, je sais. Je vais regarder à l'intérieur. Ouais, j'ai vraiment l'impression que ce coffre est pas aussi grand que les autres. Là, il manque une rangée en bas. Et dans ma tête, j'ai toujours gardé comme si c'était la seule taille de coffre, celle-ci. Slim, je sais plus ce qu'on peut en faire. C'est du verre, ok. Quand, pour l'étude. Alors, la scie. Non, c'est là. Qu'est-ce qu'on disait pour la scie circulaire? 8 planches de bois, 10 pièces de fer complexes et des clous. Alors, 8 planches de bois. Même si j'en ai une. Rien que ça, ça prend toute l'énergie. J'ai oublié de regarder le. De toute façon, le marchand, il n'y avait pas grand chose à faire avec lui. Ah, ressources insuffisantes. On va peut-être couper un peu de bois de chauffe en plus. Pas. Ah là, il y a bien une ligne de plus dans le coffre. Et là, j'ai 8 bois. Cool.
chercher. Ça fait je sais pas combien de VOD que j'ai le blé qui est prêt à être transformé en farine là, mais que je n'y touche pas, que je fais plus de cuisine. Faudrait peut-être que je m'y remette. Mais bon. C'est peut-être une erreur, mais j'ai l'impression que ça m'apporte pas grand chose en fait de le faire, du coup. De faire de la cuisine, tout ça, du coup. Mais je le fais pas. C'est très certainement un tort. Poser tous les 5 graines de vie. Parfait. J'ai posé tous les engrais. 8 jours de l'homme, c'est l'inquisiteur, voilà. Il faut 2 ou 8 engrais, je sais plus. Je crois que c'est 2. C'était deux, mais c'est pas grave. Ah non, c'est celui qui ouvre la marche, toujours, ok. J'ai l'impression que quand je les regarde... Ah non, il y en avait un devant. Et ça m'a fait cet effet avec l'âne tout à l'heure. J'avais l'impression que quand je le regardais pas, il a avancé très lentement. Du coup, je vais déblayer toutes les vignes. Ça sera fait. Et ben en fait non. C'est indépendant de ma volonté. Veuillez excuser ce contretemps. Belle requise. Je voulais. Voilà ça à l'origine, c'est pas grave. Ça ne marche pas aussi bien que ce que j'espérais. Tac. Comme ça, il peut mettre en
fil d'attente beaucoup de lingots de fer. Voilà, parfait. Parfait, parfait. Et voilà, j'ai déjà trop de bois. Fabriquer pelle. Bizarre, mais c'est pas grave. Ça pose, ça non, ça oui. Ça va poser à l'intérieur. Alors, non. Là, je vais pas pouvoir en faire beaucoup. D'énergie, d'accord. Je pensais même pas par rapport à ça. J'ai une graine. Je vais retourner vite fait au potager. Je vais poser les raisins pour le moment ici. Je sais plus ce qu'il faut pour si c'est ça doit être le pressoir et ou la distillerie pour faire du vin. On avance tranquillement mais sûrement. Que c'est qui me manque. Le pressoir. Je peux. Non. Non. C'est un bug là, le truc qui fait apparaître aussi bas. J'ai des piquets ou pas? Je sais plus. J'en ai 10. Donc j'en ai quelques-uns, ça suffit. Qu'est-ce que je peux faire en attendant? Qu'est-ce que je peux faire en attendant? Je peux faire des planches. Faire des planches parce que si je veux un banc de plus, ça me demandera des planches et des clous. Et les clous, ça coûte qu'un seul lingot de fer, donc c'est pas non plus trop cher pour en avoir 6. C'est pas non plus trop cher. Autant que je prenne quelques planches d'avance. Soit il faut des dosses, soit il faut des planches, même si ça m'étonnerait. Soit il faut carrément les bûches de base. J'ai un peu totalement ignoré les cadavres, c'est pas grave.
pas essayé de pêcher depuis la dernière fois. Et vu le succès que j'ai eu, même quand je vais dans les endroits où c'est censé être marqué 100%. Ressources insuffisantes. Oui, mais j'en ai 10. Vu que j'en ai 10. Pas chevalet. J'ai 52 petits trucs de bois. Je peux faire la scie circulaire. Alors on la met où? On la va la mettre ici. Allez, hop, on la met là. Pendant que j'y pense. J'ai plus. Oui, j'ai plus de technologie requise. Voilà, une scie circulaire. Oh, du coup. Intéressant. Du coup, ça peut remplacer le chevalet, je crois, qui est en bas à gauche, là, de l'écran. Juste à gauche de la flèche, de gauche. Vu que ça fait des billes de bois, des dosses, et ça fait directement des planches. J'ai plus besoin de faire des dosses, puis des planches. Par contre, ça ne fait que 3 planches par. Par bûche et 6 dos. Attendez. Là, c'est bien 6 dos. Et là, une dos égale une planche. Donc en fait, c'est un peu l'arnaque de faire des planches directement. On en perd 3. Ouais. Ouais, c'est bien ça. Par contre, ce qui n'est pas de l'arnaque, c'est de pouvoir enfin faire les poutres. Puisque je peux pas en faire autrement. Donc je vais en faire une. Je vais aller au sous-sol et je vais voir ce qu'il me manque. Ah, j'en ai 3. Ça, c'est pas de l'arnaque. Alors. Oui, non, je suis de droite, c'est pas grave, ça rallonge un tout petit peu, mais. Il faut 10 piquets, 4 pièces de fer simple. Ça, j'ai sûr, je crois. J'ai 10 piquets, c'est sûr. 3 pièces de fer simple, un peu moins. Surtout que j'en ai utilisé pas mal pour faire des pièces de fer complexes. Alors. 1, 2, 3. 10. Est-ce que c'est la même chose ici? Non. Et que je lis mal aussi. Tac. Tac. Alors, on pose ça. Et je crois que c'est tout. Lui, il lui fallait 5 de fois pour le convaincre. Doré, je sais pas où elle est, menacée. Je crois que ça sert à rien. Et j'ai pas, et je suis pas ami avec lui pour. Voilà, passage libéré. Ici maintenant, la même chose, 10 piquets et 4 pièces de fer simple. Je vais faire 20 piquets parce que je pense que. Attends, j'ai combien de pièces de fer simple avec 1? Je commence à en avoir besoin.
Moi qui me demandais qu'est-ce que j'allais en faire. J'ai dit que je faisais des piquets. Des piquets de bois. Ah, et j'ai plus de billes de bois. De billes de bois. Un piquet de bois, j'en fais. Ouais, une vingtaine, ça ira. Plus d'énergie. Le fer. Voilà. Voilà, voilà. Faut pas oublier de faire la prédication aujourd'hui. Si elle réussit... D'ailleurs... Oula, non, j'ai fait un truc en trop là. J'ai un peu oublié le cadavre. Ah, cet arbre, on peut le couper. Ah ouais, quand même. Ah, il est gros. On peut faire quoi ici? C'est pas là qu'on peut faire buisson à jeu, c'est pas quoi. Baie, je suppose. Et pommier. Buisson à baie, oui. J'aurais pu faire des pommiers. Mais bon, vu que je fais pas trop de cuisine. Alors... Ah, c'est la fin de la journée. C'est un échec critique pour le... Pour le retirer la graisse en même temps. J'ai pris mon temps. Oui, c'est pas grave. Est-ce que j'ai le temps? Ah, j'ai pas pris les pans, j'ai pas assez de clous. D'accord, c'est pas grave. Ah, j'ai pas pris le sermon, vite, vite, vite. Tac, tac. Alors. Qualité de l'hélice 6, besoin pour le sermon 10, du coup 60% de chance. Oh bof. Non. Je vais avoir plus de sous que... J'ai plus de sous quand j'ai un échec que quand je réussis. C'est pas grave. Et celui-là, est-ce que je peux... Non, je peux pas l'enlever celui-là. Non, on avait dit c'était... C'est trop de planches, trop de clous. Alors... Ah, je voulais aller au sous-sol de l'église. C'est pas grave.
Pim pim. Je sais même plus comment je récolte de la ferraille. Moi. Je vais prendre un peu tout. Tout ce qui peut être utile. Et lui, ça, j'ai l'impression que ça m'offre pas grand chose, juste un peu plus de stockage. Accessible plus rapidement, mais pas forcément plus. Voilà. Alors. Oui. Voilà, plus d'énergie. Le jour de Mademoiselle Charme, pas grand chose à faire. De plein. Alors oui, j'ai l'impression que c'est un peu, enfin, je pense que vous avez l'impression que moi, c'est plus du farm en ce moment, mais c'est des choses importantes pour ce genre de jeu, de pouvoir accélérer un petit peu mes déplacements, tout ça, et je veux pas forcément que vous le cachiez, entre guillemets, le faire dans mon coin et pas vous montrer que, qu'il y a cette partie-là aussi à gérer. Ça fait partie du jeu, donc je vois pas pourquoi je l'enlèverais du let's play. Voilà. Et puis ça fait quand même plaisir de voir enfin les passages se libérer. Il me manque 2 pièces de fer simple. 2. J'avais pris tout ce que je pouvais, mais il y a juste ça qui manque. Oh. Pièce de fer simple. On va en faire 3 du coup, vu que c'est ce qui est proposé. Les petits bâtons, mais si je devrais le faire, je devrais. Comme ça, ça m'évite de faire du bois de chauffe et les petits bâtons, ils sont facilement récupérables grâce au buisson. Bon, je suis content, j'aurais déblayé tous les chemins qui m'embêtaient le plus. Et tout ça pour la maudite somme de faire le la scierie, la scie circulaire. J'ai dû d'abord prendre l'espace à droite pour pouvoir la poser, faire la scie circulaire, et là j'ai pu faire directement les 3 poutres d'un coup. Faire les 3 poutres d'un coup, c'était bien. Le reste, ça a été un peu plus long que prévu, mais on a réussi. Voilà, les prospectus, c'est ici. Il faut du papier blanc. Ce serait bien que j'en fasse 2 fois 5. Ah, prière pour la foi. Hein ? Chapitre, d'accord. Vachement plus rapide que sortir de l'église, passer par le cimetière, arriver ici, prendre le corps.
sa malédiction. Et pour le remettre, faut aller voir Cloto. Citrouille de qualité, argent. Il faut une seule. Logiquement, d'ailleurs. Oui. Et j'ai toujours pas les migraines de citrouille. J'ai un peu zappé cette partie-là. J'étais avec mon corps, moi. Enfin, mon corps. Le cadavre qui venait d'arriver, tout prêt, tout chaud. J'ai pas assez de fois toujours, il m'en manque une. Trois, il m'en manque deux. Ah oui, je peux faire les prières, les papiers propres. J'ai du papier propre quelque part. Je dois en avoir en stock. Ah, les bougies sont faites ici, d'accord. Mais je sais pas. Je suppose que ça faudra les mettre sur les chandeliers, en fait, c'est ça. C'est quoi qu'il faut? La peinture blanche, de la cire d'abeille. Et de la graisse, donc la graisse évidemment, de la cire d'abeille. Et de la corde de chambre, d'accord. Faudrait que je me fasse... Je veux dire, faudrait que je me fasse une malle ici, mais non. Vu que je peux accéder aux mâles qui sont sous ma maison très rapidement maintenant, j'ai plus besoin d'avoir des mâles juste sous l'église, vu que ma maison est à deux pas en passant par les souterrains. Hop là. Ça, par contre, je suis pas sûr que ce soit le chemin le plus rapide. On va tenter. Et je pense que ouais, c'est pas forcément le plus rapide. Hop là, en plus. Ça prend beaucoup de place en fait. Permis de construire. Non. Et mince, j'ai pris un truc que je ne voulais pas en faisant un clic de trop. Voilà. Ah, mais j'ai du papier propre ici. Il m'en fallait deux. Ah bah oui, c'est là le papier, ok. Je me disais, je le trouve plus. Donc là par contre, il faut de la peinture noire. Papier en poids d'or, oui, c'est ça. Alors, oui, il y a ce papier propre là qui m'avait mis le doute en fait. Ah, les encres. Deux encres du coup.
point encre. Stylo et encre. En plus, je devais m'en douter que pour faire des prospectus, il faut écrire dessus, quoi. C'est logique, voyons, tu as tort. Non. J'aurais dû mettre 2 tirets, c'est pas grave. J'ai regagné stylo et encre. Très bien. Je fais des prospectus, ça ne me coûte que du papier. C'est parfait, ça. Vu que stylo et encre, c'est super cher. Alors, on a dit les bancs. Ah bah je peux en faire un. Parfait. J'en profite tout de suite. C'est 8 planches et 8 clous. 8, 8, Pourquoi je passe par dehors cette fois? Je ne sais pas trop. Si, c'était pour aller à la malle. À la malle pour reposer mon encre. Voilà. Ouais. Non. Dès qu'il n'y a plus de carottes, je vendrai mes certificats d'immigration. Eh ben, juste quand je dis ça, c'est le cas, il n'y a plus de carottes. Je ne pensais pas non plus aller tout de suite en ville. J'avais dit qu'il me fallait 16 clous et 16 plans. J'en ai 13-14 sur moi du coup. Ça, c'était peut-être rentable quand même. Non. Ressources insuffisantes. Des planches, oui. D'énergie, peut-être que les plats cuisinés m'aideraient à ne pas passer les jours aussi vite, mais à faire un petit peu plus d'exercice avant d'avoir besoin de dormir. Je vais revérifier du coup. Pommes au four. Ah, les pommes, ce serait bien d'en avoir dans les arbres juste en dessous, ça. Ça serait pas mal. Mais effet, plus 10, plus 6. Ça me paraît pas énorme en fait, c'est surtout ça. La viande rôtie, d'accord, mais faut récupérer la viande du corps en espérant que ça fasse pas de dégâts. Couper la viande, la rôtir et ça te fait 15. Je trouve pas ça hyper rentable. Une tranche de betterave. Et puis en plus, je compte pas le fait qu'il faut le feu. Là par contre, le keto, 95, ouais, c'est bien. Après, il faut du miel. Pour le moment, j'ai pas d'abeilles, donc je sais pas forcément. Enfin, faut que je le récolte, c'est pas. Ça peut me faire des dégâts, c'est pas grand chose, oui. La pâte feuilletée, ouais. Faut peut-être que je fasse le.
Le gâteau, il a l'air bien. 95. Vous obtenez plus de points lorsque vous étudiez de nouveaux objets. Ah, oui. J'aurais dû faire un gâteau et étudier tous les objets bleus. Oui, bah voilà. Il y a plein de choses qu'on oublie. Le jeu n'est pas simple. Je le rappelle. Je sais même pas comment on fait des lentilles. En fait, c'est quelle pâte qu'il faut pour le gâteau? De la pâte feuilletée. La pâte feuilletée. En gros, là, faut récupérer le blé, faire de la pâte feuilletée. Récupérer le miel, récupérer les... Non, ça va. Et ça coûte 10 d'énergie, ça va. Le gâteau... Ouais, j'avoue. Du coup, vu que j'en parle... Feuilleté, pas oublié. Non, lui on peut pas. Tiens, c'est bizarre. C'est peut-être parce que là, il bug l'émission. C'est peut-être parce que ça date d'avant les mises à jour que je peux pas. Alors, ah ouais, non, parce que la pâte feuilletée, par contre, il faut une cruche de lait et un œuf de poule. Et ça, pour le moment, je ne peux que les acheter. Regardez ce beau hamburger qui rapporte entre 30 et 5 et 40, on sait pas trop. Mais il faut des oignons. On sait pas trop comment avoir des oignons. Puis il faut de la viande rôtie, donc la viande que j'ai coupée, que j'ai fait cuire. Après, pour ne pas faire d'erreur chirurgicale, pour cette partie-là, c'est rentable. Pour l'énergie, moins, je trouve. La gelée verte. Voilà à quoi elle sert. Ça peut être rentable, oui. Enfin voilà. Je trouve qu'en gros, c'est pas forcément très rentable du tout. Du sel. Comment on fait du sel? Sandwich juste pour 17. Ouais, pof. Faut du pain pour le sandwich quand on a fait cuire. Quand on a fait la pâte, on l'a fait cuire, tout ça. Bref. J'ai l'impression de gaspiller de l'énergie pour espérer en gagner le jour J. De l'homme, demain faut que j'utilise les prospectus. Ouais, ce sera bien, ce sera une chose de faite. Du coup, je le fais tout de suite. Que je vérifie l'inquisiteur. Ouais, les boîtes chaudes, je lui avais donné les prospectus, c'est dans la même mission. Ça m'embête un peu. Permission pour le cimetière ouest. Je crois que c'est des sous, vu que j'ai dit que j'étais pas son ami. Tout simplement. J'ai les petits prospectus sur moi. Non. Oui. Je pose les planches. Je pose. Les outils. C'est que j'ai plus de bois, j'ai plus de bois. Tant pis. Pour faire du vin. Le temps qu'il arrive. Voilà. D'ailleurs, je n'ai pas supprimé cette souche, du coup l'arbre ne revient pas.
tout ça parce que je n'avais plus de pelle. C'est juste, hein. Heureusement que la fois d'avant j'en avais eu 5. Parce que là j'en avais que 3. non. En redescendant, j'enlèverai les autres vignes. D'abord je m'occupe de l'inquisiteur. J'ai l'impression 10 pièces d'argent. C'est un peu cher. Voilà les prospectus. Ah, il m'en donne 3 quand même. J'apprécie votre aide, même si je dois payer pour en bénéficier. Bref, j'avais prévu une incinération pour aujourd'hui. La sorcière est trop affaiblie, et les brûler lorsqu'elles sont mortes, c'est juste ennuyeux. Restez, contemplons ce spectacle ensemble. Deuxième sorcière qu'on voit brûler. Bah, c'est du déjà vu. Oui, et puis ça me file les crocs. On s'en va. Vos incinérations n'ont pas l'air si populaires que cela. Autrefois, cet endroit était noir de monde. Des familles entières venaient assister au spectacle. On dirait que les gens ont fini par se lasser. Seule ma très sainte colère maintient encore en vie l'Inquisition. Même nos dévoués gardes de l'Inquisition n'ont pas été en mesure de trouver une seule nouvelle sorcière depuis un mois. C'est peut-être dû à la sécheresse, mais je pense qu'il s'agit surtout d'un manque de motivation. Et en parlant de motivation, savez-vous faire pousser du raisin? Ouais, depuis peu. Je ne suis... apparemment pas dénué de talent. Bien, j'ai une tâche très importante à vous confier, et vous ne pouvez pas la refuser. De plus, elle vous sera certainement très profitable. Je vous écoute, monseigneur. Je vais accorder l'autorisation d'utiliser la colline versant est. Attends, d'utiliser le versant est de la colline sorcière pour y faire pousser des vignes. Ah, j'étais dans l'illégalité. Mais il me semble que ces terres appartiennent au village, et pas à l'Inquisition. Non, ce vignoble appartient à ma famille depuis des décennies. J'y ai vécu en compagnie de ma femme et de mon fils. Oui, où sont-ils désormais? Ils sont morts, tués dans la grande déflagration. Déflagration, oui, dans la maison brûlée, je suppose. Ces sorcières, je les hais. Je suis navré. L'heure n'est pas au sentimentalisme. Faites pousser des vignes, fabriquer du vin. Apportez-le-moi, les gardes n'en seront que plus motivés et ils feront preuve de plus de zèle. Vous pouvez me croire, lorsqu'ils sont saouls, ils me trouvent une sorcière chaque jour, une nouvelle sorcière par jour. Et si nous en trouvons suffisamment, nous devrons trouver un moyen de rendre les incinérations plus divertissantes. J'ai déjà quelques idées que j'aimerais vous soumettre. Ok. 10 bouteilles de vin en qualité argent en plus. Ah. Tout ça pour pouvoir lui demander comment vont les affaires. Et la permission, je n'ai pas mes 10 pièces d'argent. C'est marrant de faire brûler les sorcières alors que moi tout ce que je veux c'est passer par là. Oh. Homme, femme. On voit les. J'avais jamais fait gaffe. On voit les mêmes symboles que pour les jours et du coup pour les PNJ connus principaux. Et du coup, le PNJ de l'homme est un des deux de la femme. Si je dis pas de bêtises, sont allumés. Attendez, il y a combien de symboles? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 et peut-être un autre.
Il y a combien de jours? 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord. Non, c'est l'homme et l'inquisiteur. D'accord. Alors, l'homme et l'inquisiteur. Pourquoi l'homme et l'inquisiteur? Non. L'homme et le marchand, donc l'inquisiteur et le marchand. Pourquoi ces deux-là, en particulier, sont-ils éclairés? On est le jour de l'homme. En face du jour de la femme, mais ça n'est pas un souci. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle ils sont éclairés? Ça n'a pas l'air. Hein. Enfin, je veux dire, j'ai pas fini leur mission. J'ai pas fini en particulier leur mission. Je les ai faites récemment, c'est vrai, mais. Je sais pas. Est-ce que je peux prendre le crâne, les os? Non. Tant pis. Est-ce que d'ailleurs la carte, non, elle ne se déverrouille pas toute seule? Ah! Du coup, le... Ah oui! Ah bah, les bouts de bois que je savais pas trop quoi faire avec. Oula! Petit plantage de X de Windows. Les tris de vigne. Je peux faire des tris de vigne avec. Ok. J'espère que rien n'a planté entre l'enregistrement de la vidéo. Le stream n'a pas l'air d'avoir planté. Et du coup, au lieu de juste remettre en état les vieux, grâce à son autorisation, les vieilles vignes, grâce à son autorisation, je peux en fabriquer autant que je veux. Sauf que acheter des graines, c'est pas donné. Le marchand, il est dur en affaires. Il a dit que ça pouvait être lucratif pour moi, mais... Ah. Voilà. En espérant qu'elles ont toutes été bien placées, hein, les vignes. Si je fais retirer, peut-être que je peux le voir. 3 par 3. Ouais, non, elles sont bien. Il n'y en a pas une qui est mal placée. Peut-être mettre une malle, c'est intéressant, mais si je passe par là-haut, moins. On verra. Pour le moment, pour les deux vignes que j'ai d'active, ce n'est pas utile. De Windows, mais qui a l'air d'avoir remis les choses en place. L'explorateur. Non, y a pas d'insectes qui veulent être dans les fleurs. Pas grave. Dommage. Non, il fait nuit noire, ça ne sert à rien d'essayer de voir pour les graines de citrouille. Dead horse, cheval mort.
Commercer. Je suis riche. 10, ouais, bah, c'était bien l'inquisiteur à qui je devais demander les droits. Les autres, c'est 50 plutôt. Ah, la poisse aujourd'hui. Okay, lui, il veut toujours pas me parler. Oui, oui, toi, c'était quelle recette déjà? Il y a des recettes pas chères, les tartes, pâtisserie, bon pour la santé et poisson élaboré. Poisson élaboré, ça ne sert strictement à rien. Tant que j'arrive pas à pêcher. Le jour où j'arriverai à pêcher. Lui, il veut quoi? Il veut du vin. Donc, contre lui, le crâne, là, il s'appelle comment déjà? Jerry. Et l'inquisiteur, ils sont trois à vouloir du vin. Alors, comment on fabrique du vin? On presse le raisin. J'ai posé. Oh, j'ai plus de raisin sur. On le presse, c'est tout. Ah, mais c'est. Okay. On le presse, mais on est censé le mettre dans une. Tac. Jardinage, ça fait quoi ça? Fermier? J'aurais peut-être mieux. Vous n'avez pas peur de vous salir les mains, vous savez sélectionner les bonnes graines et comment obtenir une meilleure récolte. Ça peut être intéressant, mais je suis pas sûr. Donc le pressoir, je l'ai. Faut que je le fasse. Ah bah le tonneau de vinification, voilà. Je me demandais s'il fallait un. Peut-être pas, mais ouais, un tonneau. Mais je l'ai ici. Donc il faut que je fasse tonneau de vinification et pressoir. Je sais pas du tout où je peux les faire, ceux-là. Enfin, une mythe. Je pense, j'ai assez de bois, peut-être pas, peut-être qu'il manque un peu de pierre et tout, mais comment on fait déjà, hein? Alors, on n'a pas différent, ça ne m'aide nulle part. On est le matin, on va pêcher ici, on va attendre quelques secondes. Je vais essayer d'attendre un peu la journée, comme ça au retour j'achète les graines de citrouille. C'est surtout ça que j'essaie de optimiser mes déplacements. Ah, je suis en train de me dire que peut-être le passage au sous-sol qui est. Passage au sous-sol un peu vers le haut. J'ai plus d'énergie. Peut-être que c'est dans le moulin qui les lie. Je sais plus là, non, c'est la fin de la plage, il y a du sable, mais c'est tout. Oui, il est très recette de mémoire. Oui, bah, pour avoir des filets de poisson, faut que j'en pêche. Et comme on a vu, ça mord pas. Même les trucs marqués à 100%, ça mord pas. Donc là, en ce moment, du coup, ce qu'il me faut, c'est du 80 avec charpentier. C'est lui charpentier, 13. Ah, je peux lui acheter directement les kits de réparation. Enfin,
pas ce que ça peut nous donner d'avantage de d'être très ami avec un marchand. Autant qu'il me donne des choses différentes dans sa boutique, oui, mais pourquoi il n'est pas là? On est trop tôt le matin, son fils travaille, mais pas lui, et il traite son fils de mari. Fermier. Oh là là. Non, les graines, je m'en fiche. J'ai rien à lui revendre. Du coup, j'ai pas eu le niveau que je voulais. Peut-être le tonneau, attendez, le pressoir d'ailleurs. Parce qu'il va falloir le faire. Oh non, encore des pièces de fer complexes. 4. Et c'était 12 d'os. C'est là avant. On pouvait faire que des tonneaux. Ah oui, c'est parce que j'ai posé les pierres, d'accord. On peut peut-être faire le pressoir au sous-sol, c'est pas plus mal. Plutôt qu'en extérieur, parce qu'en extérieur, il y a déjà beaucoup de choses. Et deux lingots, je les ai. Faut du bois de chauffe. J'espère que j'en ai assez. 9, quoi. Ok, c'est bon. Parfait. C'était juste. Mais c'est bon. Voilà. Et ça manque. Alors, ça, je pose. Je garde mes 12 d'os. Ah, j'ai pas vérifié ça coûtait combien le tonneau. Je vais voir ça tout de suite. Et je m'éparpille un peu. J'avais dit que je améliorais l'église aussi. Ça coûte des pièces de fer simples. Il va me falloir plus de fer. 5, ça veut dire qu'il m'en faut. Et il me faut 2 clous. On va mettre 2. Voilà. Tac, tac.
Là, il doit y avoir l'âne un peu embêté qui n'est pas de carotte. Non, toujours pas. Éloignez-vous de moi ou je vous mords les fesses. Vous faites partie de l'Inquisition désormais, n'est-ce pas? Non, je ne soutiens pas l'Inquisition. J'essaie juste de rentrer chez moi. Ça fait plaisir à entendre. Votre réponse me paraît honnête. Je ne les aime pas non plus, mais je parie que si on me déterrait dans 1000 ans, il y aurait toujours des gens qui font du mal à d'autres gens au nom du bien de tous. Et il y aurait des types comme vous pour dire je ne soutiens pas, bla bla bla. Vous avez sans doute raison. Ouais. Plus tard. Ça m'a vachement surpris. Je pensais pas avoir une cinématique avec lui. Ah, je... 20 à l'église, c'est clair que je les aurais pas aujourd'hui. Non, ce qui me fait souffler, c'est que je voulais faire les bancs et j'ai totalement oublié de ramener. Donc c'est 8 planches, 8 clous. Et 8 et 8, 16, j'avais dit. J'aurais peut-être même pas assez d'énergie, enfin de, ouais, d'énergie ou de ressources pour faire tout ça. Le jour même. En une semaine, j'étais presque prêt et j'ai tout oublié. 20 clous, ça c'est bon. Et il faut 16 planches, 6, 8. Là, j'en aurais 18 au lieu de 16. Ça veut dire qu'il peut en rester 2. Et ce n'est pas trop grave. C'est bien ça. Au pire, je vais les faire comme ça. Si jamais je les mets en live, ne marche pas. Au moins, j'aurai un peu assuré le coup. C'est marrant parce que du coup je sais plus si c'est plus intéressant de passer par l'église, enfin par le sous-sol, par la maison et le sous-sol, ou par l'extérieur comme ce que je viens de faire. Banc d'église. Donc là en fait on peut pas mettre de banc ici, c'est bizarre. Peut-être que faut d'abord que l'église s'améliore. Je suis à 9 sur 10. Faudra que je mette des pièces de fer simples, il va m'en falloir beaucoup. Faire des candélabres, muraux ou pas, des confessionnaux, je sais pas si ça se met au pluriel, ou au moins un hôtel en bois. Forcément, je le savais, j'ai pas pris. C'est pas grave, j'ai. Nous ne sommes qu'à midi, j'ai le temps. Ça m'intrigue vachement quand même, puisque j'ai une clé en fer depuis le début et je ne sais pas du tout. Chance de succès 90. Ah, c'est déjà bien. C'est déjà beaucoup mieux qu'avant. Ah, il y en a deux qui sont sympas maintenant quand je dis que l'église est merveilleuse. Ça me fait déjà 2 fois minimum. C'est déjà beaucoup mieux. Sympa, cool. Mais franchement, je gagne que 2 fois quand même. Est approuvé. Oh. Bref. Et il me donne pas de sous quand il me donne de la foi, c'est abusé. On est en journée, donc ça sert à rien d'aller voir. Serpent. 5, ça suffit. Je suis embêté pour améliorer le cimetière, mais maintenant je laisse à la maman. Ah, j'aurais dû passer par les sols parce que j'ai déjà oublié ce qu'il fallait faire. Si j'avais mis les stocks de toute façon ici. Voilà. Et je n'ai plus d'énergie. Donc dans tous les cas,
c'est pas grave. Non, ça oui, j'ai oublié de poser l'histoire à l'église, pas grave. Allez, on va essayer de pousser au moins jusqu'à avoir notre petite production de vin local et indépendante. Le pressoir, je pense que c'est une priorité, j'ai envie de dire, mais pas vraiment. Alors, 24 d'os, 24. 4 pièces de fer compliquées, 5 simples. 10 pierres, 7 clous. Dont on parlait, si j'ai des tout clous. Attendez, c'est là qu'on fait les dos. 6, 12, 24. Voilà. Je pense que ça devrait aller. J'avais déjà prévu cette partie-là. Heureusement. Il me manquera les clous. Ça fait du bien, ça va être... Par contre, j'ai plus de bois. J'avais fait les stocks il n'y a pas si longtemps et j'en ai déjà plus. Je prends le raisin. J'aurais peut-être pu ne pas prendre de raisin de qualité, par contre, c'est pas grave. Enfin, de qualité argent. On va commencer par faire, par essayer du vin en qualité bronze. Quitte à... gaspiller. Ok, je suis venu pour rien, mais de toute façon de nuit j'ai du mal à voir. Il faut c'était pour faire des supports pour les vignes ou le houblon. Réussi à viser et à bien transporter ta bûche de bois d'arabe. Parce qu'il court à la même vitesse avec en portant une bûche que sans rien. Et en plus, si on fait pousser une autre bûche, pas de problème, ça le ralentit pas. Ça, y a aucun souci. Ah. Allez, voilà. Mais j'ai plus de lingots. Demain, je vais quand même essayer d'aller voir le marchand pour avoir un peu plus de graines de raisin pour que ça récolte un peu plus vite. Et si possible, passer, prendre des graines, enfin, vendre pour qu'il veuille bien me prendre des graines de citrouille. Alors, est-ce qu'il y a toujours du fer ici?
Peut-être plus autant qu'avant. Je vais faire comment, moi, si tous mes filons de fer sont épuisés? Non, ça va. Encore un peu de marge. Super, tout d'un coup, il y a des chauves-souris qui sont apparues là où je suis passé 25 secondes plus tôt. Ah oui, d'accord. Je pensais juste déblayer un vieux truc et... Et deux bûches sont apparues. Deux bûches sauvages apparaissent. C'est super ici. Il n'y a rien d'autre qui est caché, que j'ai totalement oublié, non? C'est juste la maison qui me fait remonter un peu en diagonale. Alors... ça, je veux bien le faire chauffer. J'ai pas beaucoup de chauffage, du coup, bois de chauffe, pas de bio, rien, deux poils, là j'en ai trois, oui j'en ai trois aussi, mais ça va plus vite par ici. Et je sais pas trop pour l'énergie, mais ce n'est pas grave, bois de chauffe. J'adore le fait qu'il fasse tout le tour parce qu'il peut pas passer entre le bas du tas de bûches et le puits. Voilà, jour du marchand. Je fais pile poil assez de bois pour utiliser tout, mais pas les lingots justement, mais pour faire des lingots de fer avec tout ce que j'avais. Qu'est-ce que j'ai? Ça j'en ai assez, là, ça il m'en faut 4, ça il m'en faut 7, ça j'en ai assez. De pierre, je l'avais totalement oublié. C'est ça, il m'en faut. Non, il m'en faut 5. Pas 4, 5. J'espérais faire clou, pièce de fer simple et reclou pour la suite, mais ce n'est pas possible de faire ça. Du coup, j'ai quelques trucs en rap dans mon inventaire, ça, ça. Je vais voir si les vignes sont prêtes là-haut. Oui. Alors c'est parti pour un petit tour. Je me demande si je peux faire des nouveautés. Peut-être qu'on poste. Plate-bande avec bâton, voilà. Je pouvais déjà les faire en fait ici. Okay. Non, je ne déposerai pas. Mon engrais. Sinon, je referai encore 3 tours dans le vide. Oui, on est le matin, c'est bon, j'ai le temps. Faut que je prenne des fruits aussi. Enfin, des fruits, des trucs que j'ai. Des trucs que j'ai cueillis pour vendre aux marchands, pour le level up, aux fermiers plutôt.
pour le level up et pour qu'il veuille bien me vendre des graines de citrouille. Non, pas dormir. On va faire le commerce avant. Des choux, peut-être pas 50 ou 100, 50. Ça va libérer un slot. Pareil pour les betteraves, 50aine. Pour libérer un slot. Les carottes, on les garde quand même. Boum, 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 boum. En fait à faire le champ vu que j'ai qu'une plantation, mais non, c'est pas hyper important. En espérant que lui vendre des trucs permettre d'améliorer ma relation avec lui. Et déjà qu'il a bien acheté ce que je veux lui vendre. Ah oui, en fait j'étais un peu riche sans le savoir quand même. 2,57, j'aurais pu avoir 5 pièces d'argent rien que comme ça en fait. Rien qu'avec les choux, je veux dire. Terminé l'offre. Voilà, le vendeur débloquera cette catégorie d'objets demain. Donc il faut revenir demain pour pouvoir avoir les graines de citrouille, planter les graines de citrouille, les faire pousser, les donner à la sorcière, la fée, excusez-moi. Les licences commerciales coûtaient combien? 50, c'est ça? Joue en or, je me fous un peu royalement. Ouais, lui ça va. Ouh. Ça coûte un peu cher quand même, mais bon. Et je prends le raccourci. Donc oui, c'est ce que je voulais dire, c'est tout. Il y a un bout de temps maintenant. C'est cette échelle là, je pense qu'elle ramène directement au moulin. Même si ça m'étonne un peu parce que le moulin il est. Plus devant, et là ça dépasse, même si les distances on peut pas trop se fier dans les sous-sols. Qu'est-ce que j'ai acheté? Oui, des graines. Est-ce que je peux débloquer ce passage? Non, flemme, trop d'investissement pour pas grand chose. La pierre, j'ai oublié. Je vais dormir. Il va me falloir de la pierre pour tout faire. Voilà, une seconde, je lance ce stream. Ah, bug de Twitch, super, on a l'habitude. Est-ce que c'est bon? Oui. Tac, tac. Un peu
Il ne veut pas. Okay. Parce que ce petit truc l'empêchait de taper le gros et qui visait le gros. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Donc normalement, là, j'ai tout. Ce qui changera de beaucoup de fois où il me manque beaucoup de choses. Pressoir. Je vais le garder en bas. Alors, ça prend pas mal de place, en fait, ce truc-là. Et il faut que le dernier soit sur le... Ça, ça passe en hauteur, ok. Ok, et le tonneau. Ah, ça fait la même hauteur, on dirait. Le tonneau, je peux le pivoter si... C'est juste esthétique. Alors que le pressoir, je ne peux pas. Je pense que je vais le mettre là. Et le tonneau, je le laisse comme ça ou comme ça. Vertical ou horizontal, le tonneau. Voilà. Je construis tout ça. Fabriquer. Alors, seau de jus de pomme, seau de jus de baie, seau de jus de raisin. Ah, il en faut qu'un. Ah oui. Huile de graines, ça me dit quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut des graines de chanvre. Et de l'huile, il faut de la graisse. De la graisse. Donc, c'est pas de l'huile d'olive, hein, ni de l'huile de tournesol. Bon, ben, un seau de jus de raisin. Les baies, il en faut beaucoup quand même, 25. Et je sais même pas trop quoi en faire. Si, je pense que tout ça, on peut le mettre dans le tonneau et le faire fermenter. J'ai de la chance, j'ai pile poil le bon nombre de raisins. Alors on fait de la presse. Hop, ça nous fait ça. Ah! Ah oui, quand même. Bah, ce qu'on peut faire. Je sais pas ce que ça fait 50%. Ça veut dire que je peux avoir pas du vin si je me loupe. Oh mince, j'avais oublié le serpent. Alors que j'ai assez de foi pour lui parler. Donnez-moi de la colle de qualité, surtout du vin. Vos gueules de bois dépendent de l'alcool que vous avez bu. De plus, l'alcool que vous parquez. D'accord, l'alcool est de meilleure qualité, mais de toute façon, j'ai pas de. Enfin, j'ai pas le multiplicateur. Mais du coup, si je donne par exemple deux jus de raisin de piètre qualité, de qualité. De qualité. Bronze. Je suis fatigué. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que je peux ne pas avoir de récolte de. Enfin, de vin. Bon, je vais mettre ça. Comme ça, je suis sûr au moins d'avoir une fournée. Enfin, une fournée. Hein, vous m'avez compris? Un peu de vin. Même s'il est de piètre qualité. Il y en a bien un qui m'en veut du piètre qualité. Je sais plus qui. Je sais que quelqu'un en veut. Voilà. Les insectes, je les stocke où déjà? Je sais même plus. Ici. Donc, je vais garder un papillon, une mythe.
J'ai envie de garder une gelée verte. Non. Parce qu'une papillon mythe, peut-être qu'il y en a qui marquent. Enfin, la mythe, je sais qu'elle fonctionne pour la pêche. Le papillon, je suis moins sûr. Alors, je retourne planter mes nouvelles graines de raisin, de vigne. Parce que là, il va falloir que j'en récolte un peu plus. 15, c'est beaucoup. Les lots extérieurs vignes et les lots intérieurs je sais plus le reste on va dire. Alors vigne fabriquée, j'ai oublié le terreau. Non, j'en avais déjà mis je crois que j'en avais déjà mis de partout. Et maintenant, on va chercher les graines de citrouille. Maintenant, quelle qualité déjà ? Cloto. Tout en bas. Qualité argent. Donc, soit il faut des bonnes graines, soit il faut plein de graines pour avoir une chance d'en avoir de qualité supérieure. Graines de lentilles, ce sont des graines de lentilles. Graines d'oignons. Ah! Et demain encore, je pourrais. Ça a l'air d'être buggé parce que j'ai à peine rempli la barre du niveau 2. Le niveau 3 se débloque tout de suite sans que j'ai besoin de faire plus d'achats ou de ventes. Bon, en même temps, j'avais vendu une centaine de produits. Ferme de zombies 2. Oui, des petits. On va acheter. Comment ça? C'est une graine qui vaut 50. Ah, d'ailleurs, la graine de citrouille, elle est là. Je ne l'avais pas vue, j'avais pas fait gaffe. Oui. Comment ça c'est si cher? Une graine. Je suppose que du coup ça se fait une graine par une graine. Par contre, c'est fabriqué à ferme de zombies. Ouais, mais c'est fabriqué, on s'en fiche. Attendez, ferme de zombies, c'est quoi ça? Ferme de zombies, ça ne me dit rien du tout. J'ai envie de prendre le jardinage pour voir si c'est pas là derrière la graine de zombie. Les machins de zombies. Qu'est-ce que je voulais faire avec mon bleu avant que je le prenne trop vite? Lingot d'acier, ça peut être intéressant parce que je ne sais pas à quoi ça sert. Fourneau 2, ok. Là, il y a des pièces en acier. Il y a des burins en acier, marteau de fer. Il y a des outils un peu plus améliorés en acier. Tout simplement. Puissant de la céramique, je m'en fiche. Ah mais ça se trouve, là j'ai débloqué mais le truc. Il
Ah oui, la salle d'embaumement. Ah oui. Je crois que je vais la faire d'ailleurs, plutôt que... J'ai bien établi d'église. Injection acide. Ah non, je peux pas faire tout de suite la salle d'embaumement. Il me manque un de bleu. Un. Injection d'acide, ça enlève un crâne de chaque, et injection de lessive, ça rajoute un crâne de chaque. De ce que je comprends, c'est peut-être pas vraiment ça. Tant qu'on n'a pas testé. Injection de colle, ça rajoute un crâne blanc. Arrête la décomposition du corps. Réduit de 50% la décomposition du corps. D'accord. Oui, ça doit être ça, parce que là... Ces fluides d'embaumement enlève un crâne rouge et rajoute un crâne blanc ou deux. Ah, j'avais pas pris bouchée d'eau, je croyais que je l'avais pris. Je croyais l'avoir pris. Si je parle français, c'est mieux. En fait, j'ai beaucoup de choses de débloquer au sous-sol, mais je ne les ai pas améliorées. Ah oui, les encens. Bon, avec 19, voilà. Les livres. Bon, vu que je peux pas directement prendre l'embaumement, je vais rien faire tout de suite. Que la table d'embaumement, il y a un mort qui arrive, une sorte de, une flèche qui repart. Du coup, je pense bien que c'est comme ça qu'on fait des zombies. Oui, j'ai déjà commercé. J'ai tout ce qu'il me faut. Alors, quelles ressources je peux prendre avant? Le bois, il est un peu loin là. Le fer, j'en fabrique beaucoup, mais j'en aurai plus en stock, c'est pas grave. J'ai pas beaucoup de pierre non plus. On va faire le bois. En plus, ici, je pense que. Je sais pas s'il va repousser. Vu que c'est dans comment ça s'appelle là où je veux planter des arbres fruitiers et des baies, donc je peux plus que ne veux. De tout à l'heure à côté du
côté du fermier, j'ai oublié. Il en faut 4. 4 graines qui coûtent 50 centimes chacune. Oh, oh là là. Ils veulent me ruiner, c'est pas possible. Que je regarde le raisin. Non, il a pas l'air prêt. Alors, on va poser les graines. Ça. Une graine de vigne, on les garde parce que les vignes sont pas à côté. Les bâtons, je peux les poser. Merde, c'est déjà quasiment la journée. Je voulais juste, avant de finir, enfin finir mon énergie, voir. Essayez de le convaincre. Je n'ai rien contre vous, je pourrais peut-être même vous aider. Vous m'avez l'air inutile, mais aussi inoffensif. Aidez-moi à ouvrir cette grille. J'ai des instructions, et apparemment j'aurais besoin d'une clé. Mes rossignols ne fonctionnent pas. Apportez-moi la clé, et nous parlerons. Fabriquez-en une, ou trouvez-la, je m'en fiche. Nouvelle tâche. Ok, j'ai moi... aussi besoin de quelque chose qui se trouve de l'autre côté. Je vais essayer de vous aider. Étudiez la clé et ouvrez la grille métallique. Ah, faut étudier la clé. Vous pouvez prendre ces instructions. Oh, les instructions de la clé. Enfin, des choses intéressantes. Donc, les instructions de la clé pour la clé grise, que je vais pouvoir étudier à la salle d'études. Contre un peu de foi. Faut au moins que je stocke tout ça dans mon inventaire pour m'en rappeler. Tac. Je peux poser par contre l'histoire, ça. Je m'en fiche. Mince, j'ai pas vérifié si j'avais de la foi de stocker ici. 2. Je suis à peu près sûr que ça ne suffira pas. Jour de l'homme. L'inquisiteur, il voulait quoi? Il voulait du vin, mais du vin de qualité, il me semble. Qualité argent. Par contre, je peux déverrouiller le cimetière de l'Ouest, donc faut aller le voir. Beaucoup de choses. Beaucoup trop de choses, surtout. Non, étudier, c'est ici. Étudier la clé. Oh, 2 pile poil! Oui, cet objet peut être décomposé en rien du tout. Oh, une clé active et une clé du gardien. Intéressant. Vite, serpent, es-tu là? Serpent, tu es là. Comme quoi, ça nous a servi de faire ces passages rapides. Fabriquer la table d'études se décompose en rien du tout. Je voulais voir... donner la clé, enfin. C'est bien la clé qu'il voulait depuis un bout de temps. Voilà la clé. Histoire. Enfin une bonne chose de faite. Ok, allez-y en premier. Ils vont voir si je suis un bon à rien. Je vais leur faire ravaler leurs arts suffisants. De qui parlez-vous? Mais de tous. Oh, c'est quoi à gauche? Tous ceux qui vivent dans cette ville maudite, tous ceux qui se croient meilleurs que moi, tout ça parce que je... Tout ça c'est parce qu'ils ont... Oula, ouais, oh, je crois que je suis venu...
je cherchais venu, je sais pas quoi. Je suis mort, j'ai rien fait, j'ai pas le tout lu. Mais... Je vais y retourner pour mettre la main sur ce journal. Mais... Un peu de vin, de toute façon, là, j'ai plus rien. C'est quoi cette cinématique de main, ça? J'ai pas lu assez vite. D'accord. Mais quand même. Oh, et ben, comment avez-vous fait? Je n'en sais rien, je suis juste retourné dans ma hutte. Évidemment, je devrais avoir l'habitude, les autres ont toujours tout. Vous n'êtes qu'un pathétique crétin, et pourtant vous êtes immortel. Ce n'est pas juste. Je vous hais. Pardon? Je vous hais! Tiens, je vais le noter. Gardien de cimetière ne peut pas mourir. En fait, je pourrais avoir besoin de votre aide. Maintenant que vous êtes là, avec vos pouvoirs d'immortel, je n'ai plus aucune envie de mourir dans ce donjon. Quel donjon? Mais juste là, il était déjà là bien avant cette église, et personne ne sait jusqu'où il s'étend. Les premiers inquisiteurs ont combattu quelque chose dans les profondeurs avant l'ancien contrat. En quoi pourrais-je vous aider? J'ai mes sources, donc je sais toujours où trouver ce dont j'ai besoin. Et à ce stade de mon projet, de vengeance, de nombreuses choses dont j'aurais besoin se trouvent dans ce donjon. Tout d'abord, il me faudrait un seau de sang. Et puis, 5 clous ensanglantés. Vous devriez pouvoir les trouver dans les premiers niveaux, là où les païens se faisaient torturer. Un drôle de gémissement. On dirait que quelqu'un appelle à l'aide. Il y a quelqu'un? Peut-être bien que non. Bien que des choses se cachent ici. Mais bon, je n'ai que faire de ce qui n'a aucun rapport avec mon plan. Je devrais jeter un coup d'œil. Il y a des choses à casser. Encore une... Au crévin du haut. Je n'aurais pas dit mieux. Quelle agréable surprise. Je commençais vraiment à être désespéré de revoir un jour quelqu'un. Vous êtes en vie? Vous avez besoin d'aide? Disons que je suis conscient et c'est bien aimable à vous de proposer votre aide. Je me nomme Gunther. Il devrait y avoir un levier quelque part sur la droite. Trouvez. Ah. Génial, je suis surpris qu'il fonctionne encore. À présent, pourriez-vous avoir la mobilité de me frapper un peu avec votre épée? Puis-je vous poser une question d'abord? Frappez-moi d'abord, cela ne devrait... Ça ne fait si longtemps que je ne ressens plus rien. Il fait peur, lui. Il veut pas parler. Oh, ça fait du bien. Ma première sensation depuis bien des années. Je serais heureux de répondre à vos questions à présent. Qui êtes-vous? Comme je vous l'ai dit, je suis Gunther. Vous êtes mort? Difficile de vous répondre simplement. Personnellement, je préfère être considéré comme une personne transconditionnelle. Mais dans la culture populaire, on nous appelle des non-morts. Comment vous êtes-vous devenu un Pourquoi m'avez-vous demandé de frapper? Oh, dans mon état actuel, je ne ressens absolument rien. Au début, ce fut un véritable cauchemar, et puis j'ai fini par découvrir que je pouvais encore ressentir la douleur. Enfin, la sensation est différente de la douleur, c'est plutôt comme une douce prise. Mais bon, c'est toujours mieux que rien. Je peux encore vous frapper, si vous voulez. C'est très gentil de votre part, mais je me dois de refuser. Après tant d'années, vos coups m'ont procuré un plaisir intense. Il me faudra probablement plusieurs années avant de pouvoir à nouveau ressentir quelque chose de similaire. Et puis, il me reste bien trop peu de chair sur les os pour la gâcher ainsi. Comment êtes-vous devenu un transconditionnel? Grâce à la science et à la magie, un peu. C'est le vieux maître qui m'a créé, et pas que moi. Nous étions assez nombreux à une époque. Mes frères travaillent-ils toujours au cimetière? Non, je crois qu'il ne reste plus que vous. En parlant de ça, je suis le nouveau gardien du cimetière. Oh, mais alors, vous devriez me créer de nouveaux frères.
ils vous seront d'une grande aide. Comment puis-je créer de nouveaux transmissions? Oh, cela n'a rien de très compliqué. Vous pourrez trouver les plans d'une table de résurrection sur les râteliers à votre gauche. Résurrection, d'accord. Donc, c'est pas ce que je voulais faire. Il devrait également rester dans les parages quelques bouteilles des principaux ingrédients utilisés lors du rituel de résurrection. Vous pouvez de toute façon en fabriquer avec votre établi d'alchimie. Vous connaissez la recette? Eh bien, le second ingrédient, c'est du sang. Pour le premier, je ne suis pas le plus trop sûr. Mais je crois que c'était une espèce de poudre. Les autres sont-ils comme vous? Hélas non, je suis unique. Quelque chose a cloché dans mon cas. J'étais trop intelligent. C'est pour cela que le vieux maître m'enchaîne ici. Je faisais un peu tâche. Je peux vous détacher où je vois? Non, oui. Je suis resté enchaîné ici depuis bien trop longtemps. Ma chaîne est trop pourrie. Et puis, bon, j'ai fini par m'habituer à la vue. En quoi vos frères pourraient-ils m'être utiles? Oh, ils pourront accomplir de menus travaux pour vous. Si vous leur fournissez l'équipement adéquat, ils pourront récolter des ressources pour vous et même les transporter. Quel genre d'équipement? Il me semble qu'un zombie devrait être enseveli sous les rochers du chemin qui mène à la forêt. Les rochers du chemin qui mène à la forêt... Ok. Vous pourriez le déterrer et examiner son équipement. Schéma, table de résurrection. Jus de zombie. Ok, je ne peux pas la casser comme j'avais plus ou moins l'habitude. Lui, il a pas de mission, apparemment. Ça, je peux casser. Je vais peut-être pas tout casser tout de suite. Passer si je fais gaffe. Journal du gardien. Je peux aller voir l'astrologue. Crâne dans le mur, crâne dans une colonne. Faut que je ramène des crânes ici. D'accord. Ça ramène de la qualité démoniaque, on va dire. Satanique, je ne sais pas trop. Faire. On m'a dit que vous pourriez être en mesure de me fournir des choses illégales. Si on vous a dit que je pouvais faire quelque chose, alors je peux probablement faire, mais un prêt est pour un rendu. Ok. Un tampon royal. Pour 30 d'amitié. C'est bien 30 d'amitié. Ça m'éviterait de le payer très cher. Alors, est-ce que je vais au sous-sol? Non, parce que l'inquisiteur va se casser. Que je veux finir ma vidéo, j'en peux plus. C'est déjà 1h50. Ah oui, quand même. Je pensais que j'en étais à 1h30, moi. Enfin, il n'y a pas si longtemps. Allez, vite, 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 vite. Ce bout de quête a beaucoup rallongé ce que je pensais de ma vidéo. En plus j'ai repris trop d'énergie. J'ai avancé sur trop de trucs la dernière fois. J'ai peur d'oublier. Vite, vite, vite. Surtout que certains trucs, c'est des objets que j'ai sur moi. Et que du coup... acheter la permission. Je pense qu'il doit être possible de vous faire confiance tant que nous aurons des intérêts communs. Voilà, maintenant le vin, j'ai pas la bonne qualité. J'ai pas la bonne qualité. Voilà. Bon. Je suis content, j'ai bien avancé. Je pensais pas que j'avancerais autant.
Mais j'ai un peu... je crois que j'ai surtout vachement galéré avant de juste donner 5... comment ça s'appelle ? 5... de fois à... pour convaincre Serpent. Enfin, en fait, fallait que j'ai 7 de fois. Pourquoi je te coupe du bois? J'en ai largement trop. Ce qu'il me fallait, c'était de la pierre plutôt. Pas grave. Non. Voilà. Est-ce qu'il y a encore un peu de pierre par ici quand même? Pas assez. Servir. Ou alors c'est peut-être pour en avoir en illimité. Qu'est-ce que je peux faire d'un peu utile? Voilà, juste pour finir les 3 d'énergie que j'avais en stock. Voilà, je dors. Du coup, ça conclut cette vidéo. 1h55, c'est beaucoup trop long. Enfin, au moins une demi-heure trop long par rapport à ce que j'espère. À moins que vous me dites tout ce que vous attendez des vidéos de 2h, mais ça m'étonnerait. Je pense qu'une heure, 1h20, entre 1h et 1h20, c'est bien. Donc je suis désolé d'avoir pris plus de temps, mais voilà. C'est des choses qui arrivent. Sur ce, je vous dis à très vite. Et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter et à très vite.